Bon les gars, il n'y a pas à tortiller du croupion, on a un gros problème niveau communication. Non parce que même si je suis pas fan de leur façon de faire, faut reconnaître que les casques à pointe, avec leurs règles, ça envoie du patoche. Qui ça? Les casques à pointe, les almoches, les frites quoi. Oh putain les gars, les Allemands, il y a Volt, Papyr, Biteux, les Allemands quoi. Ah les Schleux. Ouais les Schleux ouais. Ah oh, putain les gars, va falloir faire un effort hein, parce que là on n'est pas rendu. Hein. Bon, du coup, moi, pour notre emblème, j'avais pensé comme animal au phénix. Niveau symbolique, ça le fait grave. Ah ouais, le phénix qui renaît de ses cendres. Hé hey, les Françoisés, et pourquoi pas un écureuil? Bah ouais, c'est comme vous, ça pète les noix toute la journée. Nice. Alors après réflexion les amis, j'ai décidé de ne pas garder l'idée de Gunther. Désolé Gunther. Bon par contre j'avoue qu'à part le phénix, j'ai que dalle. Nada, Walou. Je sèche. Oh pardon Maurice. Hein? Ah non. Non quand je dis je sèche, c'est parce que j'ai pas d'idée. Moi, je verrais bien une taupe chef. Comme nous, c'est moche, c'est myope et ça taquine des verres toute la journée. Qui c'est qui est myope là? Et c'est qui le moche? Calando, c'est gazier. Non, après tout, c'est pas bête, la taupe, là. Ouais, pourquoi pas? Et tac. Merci, patron. Ouais. Ya, après tout, creuser pour se planquer. Ça, c'est un quart français. Ouais, ok, et va pour la taupe. Mais moi, je propose qu'on mette en avant le fait que c'est petit, rapide, et que ça fait chier tout le monde. C'est vrai, c'est pour le prestige. C'est plus valorisant. Qu'est-ce que tu fais, Barnabé? Ah bah, Maurice m'a demandé de dessiner notre emblème, notre taupe. Oh mais c'est moi, Danke Barnabé. C'est très sympathique. Stop, arrêtez tout. Ça y est, j'ai trouvé notre logo, vous allez adorer. C'est un Allemand qui me l'a déposé à la maison ce matin, regardez. Tada! Regardez, c'est de toute beauté. Ah ouais! Ah c'est pas mal du tout, hein. Par contre, la couleur c'est un peu fadasse, hein. Non, faut trouver un truc qui claque plus, quoi. Un truc du genre... Bah, qui claque plus, quoi. Non, mais vous êtes con ou vous faites un concours en interne? Maurice va se foutre de nous. Pourquoi? Mais parce que c'est l'étoile de David. Ah bon? Elle appartient déjà à quelqu'un, cette étoile? Non, mais je me disais bien, il avait dû la voler, l'Allemand. Parce qu'il avait pas une tête de David, hein. Et voilà. Alors, finalement, on n'a rien, quoi. On l'avait déjà pris. En même temps, je l'ai vu que de dos. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Gunther? C'est un coq, pour ce soir. Un coq? Ouais, bien joué, mon petit Gunther, ouais. Le seul animal qui chante toujours, même les pieds dans la merde. On l'a, notre problème. On l'a. Hé, les gars! On le bouffe, ce poulet?